Il est 7h54 et comme tous les matins, nous voici dans les rayons de la première librairie indépendante de France, la librairie Mola à Bordeaux, partenaire d'Europe 1 pour le troisième été consécutif. Des coups de cœur lecture pour accompagner votre été. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Aujourd'hui, un roman qui se déroule en Islande, dont on connaît les volcans au nom imprononçable, mais qui est aussi l'une des nations les plus respectueuses des droits des femmes. Depuis 2 ans, par exemple, l'égalité des salaires entre femmes et hommes est obligatoire. Miss Islande est un roman qui montre le chemin parcouru. Et le titre est un peu trompeur, puisque ce roman ne raconte pas du tout le déroulement d'un quelconque concours de beauté. Enfin, plus exactement, devenir Miss Islande, c'est le destin auquel veut absolument échapper Hekla. Cette jeune femme, qui porte le nom d'un volcan, se destine à l'écriture. Seulement voilà, au début des années 60, dans cette Islande patriarcale et conservatrice, pour convaincre un éditeur et s'imposer comme auteur quand on est une femme, il faut une sacrée dose de ténacité et beaucoup de courage. Hekla n'en manque heureusement pas. Libraire chez Mola, Lucie Leroy a eu un vrai coup de cœur pour ce roman magnifiquement écrit. C'est un pays très riche en littérature, par contre la littérature est faite par les hommes. Il y a très peu de femmes qui écrivent en Islande dans ces époques-là, elles sont en général d'ailleurs très mal reçues. Et on a ce personnage qui s'appelle Hekla, qui a 21 ans et qui quitte sa bourgade pour partir à Reykjavik avec sa machine à écrire dans sa valise, puisqu'elle sait depuis toujours qu'elle veut devenir écrivain. Et effectivement, en arrivant à Reykjavik, elle se rend compte qu'elle a aussi ce problème d'avoir un physique agréable. On la recommande plutôt sur des concours de beauté type Miss Islande que sur des concours d'écriture. Mais elle est plus courageuse que ça. C'est un combat qu'elle mène, c'est un combat surtout avec elle-même en fait, un combat intime pour vraiment garder à l'esprit qu'elle vaut plus que ça. Bien sûr, c'est un roman. Le personnage principal de cette jeune femme est quand même inspiré par la propre vie de l'auteur et son propre regard sur la littérature de son pays. L'engagement est aussi fort. Et c'est aussi étonnamment un roman d'une grande poésie. L'auteur de Miss Islande est l'écrivaine islandaise Odur Ava Olafsdottir. C'était un pays qui était replié sur soi, très loin du reste du monde. Moi, j'avais envie de poser des questions, d'explorer l'isolement. L'île, c'était même pas sur les cartes géographiques à l'époque. Ça n'existait pas. Moi, je dirais que c'est un roman sur la liberté, sur la création, sur l'écriture et sur la beauté, en art et ailleurs. Une écriture fine, délicate et sur cette île au climat rude, la volonté farouche d'une héroïne lumineuse, Hekla, à laquelle vous repenserez souvent après avoir refermé ce livre. Oui, on y pensera souvent, surtout qu'on va retenir le nom de cet auteur, Odur Ava Olafsdottir. Voilà, hein, c'est fait. Exactement. Nous sommes